Sainte-Marie, un petit bout de terre à l'est de Madagascar. Une île du bout du monde. Une île un peu hors du temps, où le poids des traditions pèse sur les épaules de chaque famille. À Sainte-Marie, on pratique le culte des ancêtres. Devenir un ancêtre, c'est accéder à une nouvelle société dans l'au-delà, réplique exacte du monde des vivants. Une société des morts, où il faut aussi s'habiller, boire, manger ou payer. Sur l'île Sainte-Marie, vénérer ses ancêtres est un devoir pour tous. Depuis des mois, Alain prépare deux cérémonies liées au culte des ancêtres. La première est une cérémonie d'offrande pendant laquelle des zébus, les animaux sacrés de Madagascar, vont être sacrifiés. Des centaines de personnes sont invitées. Le jour de cérémonie a été choisi 3 mois à l'avance par le biais du système des oracles et par la consultation des esprits aussi. Et on regarde aussi la lune et les étoiles. Parce que si c'est une mauvaise inclination lunaire, catastrophe. La seconde cérémonie est plus familiale. Avec sa femme Mauricia, ils vont honorer leur fils Ariel, mort en 1995. On appelle cette cérémonie le retournement des morts. Ariel va être déterré, ses os vont être nettoyés, puis il sera réenterré afin de devenir un ancêtre. Alors que le salaire moyen de Madagascar est d'environ 20 euros par mois, Alain et Mauricia vont dépenser plus de 8 000 euros pour ces festivités.